Les filles n'ont pas le droit de décider qui elles veulent être dans ce monde. Maintenant, je décide. Un soir sous un col dans sa ville, elle m'a dit qu'il fallait faire le truc dans sa tête. Sa problématique dans ses rêves, elle était libre et qu'elle vivait vraiment sa vie. Un soir sous un col dans sa ville, elle m'a dit qu'il fallait faire le truc dans sa tête. Sa problématique dans ses rêves, elle était libre et qu'elle vivait vraiment sa vie. Un soir sous un col dans sa ville, elle m'a dit qu'il fallait faire le truc dans sa tête. Sa problématique dans ses rêves, elle était libre et qu'elle vivait vraiment sa vie. Un soir sous un col dans sa ville, elle m'a dit qu'il fallait faire le truc dans sa tête. Salomé m'a dit dans ses rêves, elle était libre et qu'elle vivait vraiment sa vie. Salomé m'a dit ouais c'est moi qui décide. Qu'elle en avait marre de sentir inférieure et qu'elle avait peur de sentir à l'écart d'une société qui fait taire les filles. Donc Salomé m'a dit qu'elle voudrait se faire la malle ou bien faire taire les mâles pour que tout soit égal. Ouais, elle a giflé son patron vu qu'entre deux salaires y'avait trop d'écart. Y'avait trop d'écart dans ce qu'elle montrait aux hommes, souvent l'impression de ne pas être écoutée. Marre d'une société qui lui dit d'être une princesse, marre d'y penser, marre de sentir les larmes couler. Salomé rêvait d'égalité des sexes et de son vivant voir une révolution, voir toutes les femmes crient à l'unisson. Faut arrêter de se dire qu'on peut vivre avec. Un soir sous alcool dans sa ville, elle m'a dit qu'il fallait faire le tri dans sa tête. Salomé m'a dit que dans ses rêves, elle était libre et qu'elle vivait vraiment sa vie. Un soir sous alcool dans sa ville, elle m'a dit qu'il fallait faire le tri dans sa tête. Salomé m'a dit que dans ses rêves, elle était libre et qu'elle vivait vraiment sa vie.